Nous Franck Timis dafa fay Aliou Sall lu tolo 146 millions francs CFA waye bam koy fay sax fayum laqatu la ndax ko dako jaarale ci ben société bu tuddu Agritrans malen di yeggal fi ne mosuma jot 146 millions ci Agritrans yu joge ci Franck Timis wala ci ay sociétém wala ci ño xamne dafa jox ak ñu lolu c'est totalement faux te ma ngi invité BBC wala keneen ko munti don ci aduna bi mu indi preuve né société Agritrans mosna jot xaliss bu joggé ci Timis Corporation comme ñom niñ ko waxé ci émission. Attention, ça peuple sénégalais. Oui, là je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. C'est de l'information. Comme je disais, c'est d'ailleurs une question tout à fait de l'ordre du privé, parce que Michel Sall s'est défendu. Je pense que on doit prendre également en compte les arguments qu'il a développés. Il a montré que ça, c'est une somme qui a été virée dans un compte parce que résultant d'une mission de consultation. Alors, il y a un chiffre qui n'a rien à voir avec Tranchon. Ça, peuple sénégalais. Oui, là, je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est votre explication? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. C'est de l'information. Comme je disais, c'est d'ailleurs une question tout à fait de l'ordre du privé, parce que Michel Sall s'est défendu. Je pense que on doit prendre également en compte les arguments qu'il a développés. Il a montré que ça, c'est une somme qui a été virée dans un compte parce que résultant d'une mission de consultation. Alors, il y a un chiffre qui n'a rien à voir avec...